Bonjour, bonjour, salut tout le monde, bienvenue aux habitués, je suis très content de vous retrouver, bienvenue aux nouveaux aussi. Écoutez, on va partager un petit moment ensemble, là, vraiment dans l'intimité, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai allumé un petit ensemble, bon, là vous ne le voyez pas, je suis dans les bonnes énergies et j'ai vraiment envie de vous proposer une vidéo dans le partage. Donc, comme vous le savez un petit peu, bon, notamment pour ceux qui me suivent, pas mal de modifications pour moi. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous proposer maintenant des vidéos où on va se laisser guider et on va eh bien, commencer tout de suite. Donc mettez-vous à l'aise tranquillement. Je ne sais même pas comment cette vidéo va se dérouler. Ça va être une découverte pour moi, tout comme pour vous. Ça va être un voyage. Voilà. Donc. Eh bien, c'est parti. Alors, tout simplement, j'ai demandé hein, la connexion au guide, à l'univers, pour savoir de quoi on voulait parler, quel serait le sujet de cette vidéo, quel est le message que les guides avaient à transmettre, peut-être d'une manière générale pour tout le monde, mais aussi pour vous personnellement, hein, puisque tout est interconnecté. Donc forcément, le collectif impacte aussi l'individuel. Voilà, en tout cas, les deux sont... Enfin, tout est lié. Voilà. Donc, j'ai tiré deux cartes ici. Donc, on a... un tarot, donc cette fois-ci j'y pense, donc c'est le The Light Seer's Tarot, voilà, et un aura, un aura, non, le Chakra Wisdom Oracle Card, voilà, Chakra Wisdom Oracle Card. Donc comme ça, vous avez le matériel. Donc pour l'instant, il n'y a que deux cartes. Parce que c'est, comme je vous dis, pour moi juste un support là pour pouvoir me connecter au guide, transmettre des messages. Savoir de quoi on veut parler. Et puis peut-être qu'après, eh bien, on verra, on va d'abord découvrir le message. Peut-être qu'après, je vais vous faire faire un choix ou pour qu'il y ait aussi un message personnalisé pour vous. Voilà. Alors, donc on va découvrir les messages. Donc on a la 14, tempérance et persévérance. D'accord. Donc j'ai l'impression qu'ici on met l'accent sur deux qualités vraiment nécessaires. Tempérance ici, moi j'entends patience. Donc patience, persévérance. Vraiment, tout ce qui va découler vient de ces deux mots. Patience et persévérance, mais vous allez voir que ces deux mots, si on nous les envoie, c'est qu'il y a une implication derrière. Donc on va creuser ensemble. Alors. J'ai bien me connecter au message parce que, notamment là, je sens une énergie puissante avec cette carte de la tempérance. D'accord. En fait, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que à un niveau global, justement, à un niveau planétaire, hein, pour moi, il y a vraiment cette notion des astres aussi, de la planète, de l'humanité. On est en évolution, les choses sont en train de bouger, les énergies fluctuent, sont toujours en mouvement. Il y a toujours une recherche d'équilibre, hein. Et peut-être que d'ailleurs les polarités aujourd'hui qui sont notamment sur la planète Terre, hein, si on parle de polarité, peut-être que elles sont renforcées, c'est-à-dire que les polarités se renforcent. Donc quelque part, peut-être que l'écart se creuse aussi. Donc dans tous les cas, on est en train de dire ici que à un niveau global. Les choses sont en train de bouger. Vraiment, voilà, il y a des énergies puissantes qui sont imprimées dans le collectif, qui amènent aussi à une élévation, en fait. Hein. Bien sûr, il y a une élévation de la conscience, une évolution spirituelle. La carte de la tempérance, c'est quand même relié, on le voit d'ailleurs ici, hein, on voit les ailes ici d'un ange, par exemple. Donc on pourrait parler longtemps de est-ce que c'est lui l'ange, est-ce que c'est qu'il y a un ange, un guide derrière, peu importe, quelque part, vous pouvez vous faire votre propre idée par rapport à ça. Mais pour moi, voilà, on est dans un processus, on est dans une transition aussi, c'est le mot qu'on me dit qui est important, qu'il faut qu'on comprenne, une transition planétaire, une transition énergétique réelle, que l'on peut tous expérimenter à sa manière, quelles que soient ses croyances, voilà, même dans la matière, ça se voit en fait.
Voilà. Donc il y a tout un jeu de un jonglage en fait qui est en train de s'opérer. Et concrètement, ça se passe en individuel aussi. C'est-à-dire que vous êtes vous et moi, hein, c'est nous tous, nous sommes dans cette configuration aussi en individuel. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de guérison. C'est vraiment le mot que j'entends, une guérison, notamment émotionnelle, mais aussi avec l'esprit, avec l'ego, avec l'intellect. Tout ça est en train de vraiment remuer, et on nous demande de trouver notre équilibre avec tout ça. Vous voyez, on retrouve les deux polarités ici. On a le soleil, et la lune. Donc vraiment deux polarités, mais qui en même temps doivent fonctionner ensemble. Donc tout est dans la question d'équilibre. Donc pour beaucoup, en fait, on nous demande, c'est vrai, un gros travail personnel, hein, mais on vient nous dire ici que l'on est guidé, que eh bien, tout simplement, il y a l'appui des anges, en fait, hein, l'appui des guides pour nous aider dans cette transformation et dans cette phase de transition. Mais c'est vrai que ça demande de se relever les manches, parce qu'on est confronté en ce moment à certaines peurs. En fait, pour moi, on voit de plus en plus clairement les choses aujourd'hui, les choses chez les autres, mais aussi chez nous. Et souvent, c'est plus difficile chez nous. Mais là, on est confronté à ça, à des peurs, à des choses du passé, à des choses karmiques. Bref, je l'expérimente aussi. Donc, voilà, on est vraiment dans un processus de guérison, de transmutation aussi des énergies. Voilà ce que je ressens. Et c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter aussi. Peu importe si ça a lieu à un domaine professionnel, sentimental, spirituel, je ne sais quoi. C'est tout en fait. C'est global ici. On est sur une arcane majeure en fait, hein. J'ai tiré avec tout le jeu, donc voilà. On a une arcane majeure qui est retombée. Donc c'est global en fait, cette énergie. Et voyez, persévérance. Donc en fait, persévérance, là, on voit bien aussi la présence des guides qui sont là pour nous réconforter, nous rassurer. Voilà, on voit dans deux cartes ici, avec deux jeux différents, la présence des guides. La lumière, en fait, la lumière, l'énergie, on la ressent dans ces deux cartes. Enfin, moi, je la ressens vraiment très fortement là. Et donc, on vous dit quelque part de ne pas vous décourager par rapport au travail personnel que vous faites, consciemment ou inconsciemment. Il y a un véritable travail qui est en train de s'opérer en vous, je peux vous le dire. Une véritable transmutation, transformation, métamorphose. Et tout ça, j'entends que ça se passe dans l'incarnation. Ça doit se passer dans l'incarnation. Donc il faut trouver un équilibre aussi, peut-être, entre le côté spirituel et le côté matériel. Persévérance. Voilà, je vous disais pourquoi c'est important de rebondir sur certains mots, parce que persévérance ici, si on vous dit persévérance, ça veut dire que quelque part vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne dynamique, vous fournissez la bonne énergie, donc il faut continuer ces efforts dans la positivité en fait. Persévérance, on ne vous dit pas ici mauvaise route ou alors changer de chemin, non, au contraire, c'est pour vous donner peut-être un peu d'espoir, même si par exemple, vous vous sentez abattu ou plutôt dans des énergies négatives ou l'envie de baisser les bras, peut-être pour certains, voilà. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses justement à gérer, des responsabilités. Peut-être que il peut y avoir un trop-plein à un moment donné. Donc, persévérance, voilà, hein. Faut continuer, faites preuve de patience. Tout arrive à point. Il n'y a rien de pressé avec la tempérance, justement. Tempérance, vous voyez, il y a la notion de temps dedans. Tempérance. Donc, tranquillement, en fait. Hein, la tempérance, elle incarne l'énergie de la douceur, de la fluidité aussi, de laisser faire les choses. Et ça se fait naturellement. Hein, on peut aller avec le cycle naturel de la vie plutôt que d'aller à contre-courant. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi à comprendre au niveau des cycles. Vous voyez, on a la lune, lune, soleil. Donc il y a un jeu éternel entre les deux et l'un ne va pas sans l'autre. Enfin bon, voilà. Je ressens beaucoup de symboliques puissantes en fait. Donc chacun y verra des choses différentes. Ok. Alors, donc ça c'était le message pour tout le monde et un petit peu la base de travail. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait, je vais faire un tirage. Ok, on va faire un petit tirage ensemble pour savoir qu'est-ce qu'il y a à la clé.
Parce que pour moi, il y a un processus, comme je vous ai dit, une guérison, notamment émotionnelle, je ressens pour beaucoup, qui est en train de s'opérer. Et si on vous dit persévérance, c'est qu'il y a quelque chose. Donc j'ai envie d'aller voir plus loin, de voir peut-être quelles sont les récompenses qui vous attendent par rapport au travail que vous mettez en place. Alors, donc, on va faire un tirage à choix. Pour ça, je vais réutiliser ces deux oracles. Donc, j'ai des petites idées qui viennent. Donc, écoutez, je mets ça en place. Je vais faire voilà, je vais mettre ça tout de suite d'actualité au niveau de la vidéo. Vous n'allez pas voir le temps passer. Et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà, les amis. Alors, écoutez, bon, j'ai eu une petite idée de tirage. Donc, voilà, on aura le même jeu que j'ai utilisé, plusieurs cartes. Donc, on va se laisser continuer à se laisser porter par les messages. Donc, vraiment, mon intention, c'est vraiment de vous fournir quelque chose de personnel, personnalisé, comme si on était en session privée ensemble, en consultation. Donc peut-être ça pourra vous donner un avant-goût aussi. Pour ceux qui voudraient aller plus loin avec moi, bah, j'ai fait pas mal de réajustements dans mon site. Je propose aussi maintenant, depuis très peu de temps, des initiations aux arts divinatoires, en fait, pour que vous puissiez vous-même vous connecter avec le pouvoir de votre intuition ou de votre médiumnité. Vous pouvez appeler ça comme vous le voulez. Voilà, donc juste si ça vous intéresse, vous pouvez avoir le lien en bas de cette vidéo pour aller sur mon site directement. Et puis vous trouverez toutes les informations nécessaires. Voilà. Alors, donc on a ici 5 tas. Ce que je vais faire, c'est que les cartes Dixit juste au-dessus, là, c'est un jeu, là, Dixit, qui n'est pas à la base fait pour la divination, mais que j'utilise de temps en temps. Et voilà, j'ai envie de vous proposer un petit peu comme ça aujourd'hui. Donc, on a juste une image. Donc, tout simplement, laissez-vous porter. Je vais vous montrer les 5 images, d'accord? Et vous allez faire le choix en fonction de l'image qui rentre le plus, je dirais, en résonance avec vous, hein? Faites-vous confiance, prenez le temps nécessaire, mettez sur pause, et puis vous pouvez faire un ou plusieurs choix. Surtout, vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Donc, on va juste découvrir les images. Je ne vais pas les commenter, parce que c'est vraiment pour vous donner des indications. Donc. On regarde juste les images. Voilà. Qu'est-ce qui rentre en résonance avec vous? Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Et vous pourrez aussi faire un choix en fonction du chiffre éventuellement. Alors, donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, je rappelle que, bien sûr, c'est le thème qui est en rapport avec ce que vous travaillez, ce qui remue pour vous actuellement, et ce sur quoi on vous encourage à continuer vos efforts, hein. Et surtout, ne pas perdre espoir, ne pas perdre confiance, persister. Donc, c'est ça vraiment le thème principal aujourd'hui. Donc. Eh bien écoutez, on va commencer par le tas numéro 1. Alors, pour vous qui avez choisi l'image numéro 1, donc concernant le sablier, alors on va découvrir un petit peu les messages. Donc, d'abord, faisons un petit état des lieux, quelque part de la situation que vous traversez, peut-être les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Nous avons le 10 de bâton et impatience. D'accord. Alors, avec ce 10 de bâton, on voit justement que vous avez déjà mis beaucoup, beaucoup d'efforts, hein. La vie peut-être vous a beaucoup demandé dernièrement, vous vous êtes beaucoup investi, ou alors on vous a mis aussi
Peut-être parce que j'entends ce mot de responsabilité, donc soit des responsabilités qui sont imposées par l'extérieur, vous savez, par exemple au niveau du boulot, mais il y a aussi, je dois vous le dire, une part de responsabilité quelque part que vous-même vous prenez, hein, dont vous pourriez vous délester, hein. J'ai le sentiment que quelque part votre chemin aujourd'hui pourrait être un tout petit peu plus léger, un peu plus facile, parce que vous pourriez déjà vous-même lâcher du lest. C'est vraiment cette expression que j'entends. Lâcher du lest par rapport à quoi? Je ne sais pas. C'est pas forcément lâcher prise. Pour moi, c'est lâcher du lest au niveau de votre énergie, hein, au niveau de votre énergie. Parce que avec le 10 de bâton, quand même, pour parler de la symbolique, souvent, on peut l'associer à un énorme stress, une période de fatigue intense, voire même un burn-out, hein, dans les cas extrêmes, par exemple, avec le 10 de bâton. Donc, il y a cette énergie de ah, oh, j'en peux plus, je suis fatigué. Vous voyez? Et pourtant, on voit cette personne-là qui est presque arrivée en haut de la montagne. Hein? Donc, moi, j'ai le sentiment que oui, il y a un but, il y a un but à atteindre. On le voit ici, vous voyez, hein, encore une fois, en hauteur aussi. Il y a un but à atteindre pour vous, mais peut-être que justement, là, vous manquez de patience. On revient sur cette énergie de tempérance. Vous vous impatientez parce que ben, vous dites, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que je vais pouvoir justement récolter le fruit de mes efforts? Hein? Je sens que pour vous, ça a été une longue quête, hein? C'est quand même un long voyage, je reconnais aussi. Mais j'ai des bonnes indications à vous donner déjà, puisque on vous dit ici quelque part de ne pas être impatient et qu'en fait, vous êtes tout proche. Vous êtes vraiment tout proche, pardon, tout proche d'atteindre votre but. On le voit sur les deux cartes en fait. Quelque part, c'est comme si on vous disait, mets encore un coup de collier, mets encore un peu d'énergie dans les projets, dans quoi tu t'investis. Peut-être qu'il s'agit du professionnel ici, mais ça peut être une relation aussi dans laquelle vous avez investi beaucoup d'énergie, vous voyez. Eh bien, quelque part, il y avait un but à atteindre et on vous dit, ce but est tout près. Voilà, ne désespère pas, on en revient à ce message, on revoit encore un ange ici, hein, donc là la présence elle est très forte pour vous, de vos anges gardiens, de vos guides, ou du soutien de l'univers tout simplement, et c'est proche, beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Le 10 ici en plus en numérologie, ça va parler de fin de cycle, de nouveau cycle, on est sur la transition, donc vous voyez, ces mots ressortent encore avec ces cartes et les énergies générales. Donc vraiment persévérance, bah oui, c'est clairement le cas. Persévérance, parce que vous particulièrement, vous êtes vraiment pas loin. Alors, quel est le conseil ou alors le message peut-être que les guildes veulent vous transmettre pour vous? On a une autre arcane majeure, donc le jugement, la numéro 20, et victime. Ok. Alors, première chose là qui me frappe fortement, et enfin, c'est pas forcément en lien avec la symbolique de la carte d'ailleurs, c'est que vous avez besoin de prendre soin de vous et de votre énergie. Vous voyez, ici, on peut avoir une sorte de fatigue, une sorte d'épuisement, une sorte d'acharnement aussi pour certains, par rapport à une situation, par rapport à un objectif. En tout cas, vous donnez trop. Hein, quelque part, il y a trop d'énergie de vous qui est dépensée. Voilà. Et là, avec tout ce vert, eh bien, en fait, j'ai le sentiment qu'il y a besoin vraiment d'une guérison à ce niveau-là, que vous puissiez récupérer aussi de l'énergie. Hein, j'ai ce mot de récupération. Ok. Voyez, on a la carte aussi victime. Ici. Donc, on vous dit de ne peut-être que vous êtes dans cette position, entre guillemets, ou rôle de victime. Alors, c'est vraiment à prendre au sens symbolique. Oui, symbolique, pourquoi? Parce que victime ici, il faut entendre le fait de subir quelque chose. Hein. Pour moi, vous subissez certaines choses au jour d'aujourd'hui, soit en effet, peut-être qui peuvent être imposées par l'extérieur, ou alors qui sont vous. Que vous vous imposez à vous-même, mais là, il y a besoin d'une libération. Le conseil, c'est vraiment
prendre un nouvel air, en fait, prendre un nouvel air, une nouvelle respiration. C'est comme ça que j'entends, hein, comme je vous ai dit, une guérison. Il y a un besoin de renouveau et d'une libération intérieure. C'est intéressant parce que là, je note qu'on a la carte du jugement. Alors moi, c'est vrai que j'interprète rarement cette carte en termes de jugement. Ça m'a jamais trop évoqué comme ça des choses en consultation. Mais là, pour le coup, je vois un lien parce qu'on a jugement et victime. Donc ce sont deux mots qui ont des, comment dire, qui ont un langage commun, enfin voilà, qu'on peut vraiment associer ensemble. Donc jugement et victime, le conseil ou le message des guides. Dans la perception, dans votre perception que vous avez des choses, peut-être qu'il y a trop de jugement, justement. Ça c'est bien ou ça c'est mal. Comment vous dire ça? En fait, dans vos pensées, voilà, ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir du jugement, c'est vrai, par rapport à certaines choses à l'extérieur, mais en vérité, c'est pas forcément comme ça que je l'entends. Prenez que si ça résonne. Moi, c'est un jugement envers vous-même. Vous avez peur aussi du jugement, d'être la victime, d'être peut-être utilisé ou d'être trahi par d'autres personnes. J'ai le sentiment qu'il y a un passé chez vous, une éducation peut-être, ou même éventuellement il faudra aller voir plus loin dans les vies antérieures, c'est possible avec cette carte du jugement, des peurs qui peut-être qui peuvent vous limiter, hein, vous limiter dans l'épanouissement de votre plein potentiel. En fait, si je devais lire littéralement aussi, ça serait arrêter de vous juger comme une victime. Donc, bien sûr, ça peut peut-être pas résonner pour tout le monde, mais si vous avez choisi ça, ce tas, normalement, c'est que c'est censé vous parler. Donc, essayez de voir. Je ne peux pas trop vous aider là. C'est vrai que ce n'est pas un tirage personnel. Donc, je suis un peu moi-même limité dans les messages que je reçois parce que j'arrive pas, honnêtement, à vous voir clairement pour vous, victime, ce que ça représente, le rôle de victime. Hein. Et pour moi, c'est plus quelque chose que vous subissez plutôt que vous qui êtes dans le rôle du bourreau et qui impose. C'est vraiment pas dans ce sens-là que je l'entends. C'est vraiment le rôle victime. Alors, essayez de voir, voilà, dans votre vie, comment ça résonne, parce que je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Comment vous vivez les choses, comment vous subissez les choses, comment vous-même vous jugez, quel est votre regard vis-à-vis des autres et de la perception que les autres ont de vous aussi. Hein. Il est bien question de ça. Ok. Et donc, pour finir ici, on a deux cartes qui vont nous donner ce qu'il y a à la clé pour vous. Hein, on avait vu avec la tempérance que voilà, on est dans un travail, en effet, de guérison, de libération, justement. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qu'il y a comme récompense pour vous, le 10 de coupe et completion. Donc, j'ai traduit par achèvement. Donc, la fin de quelque chose. Ok. Bon, ben écoutez, c'est plutôt super parce que on retrouve l'énergie du 10. Donc, c'est très important. Vous voyez, comme je vous ai dit, 10, c'est un mouvement. Déjà, c'est la carte du mouvement. C'est la carte, pour moi, de la roue de fortune dans le tarot. L'arcane majeur 10. Et elle indique bien que les choses avancent, que la destinée se met en place. Et on est vraiment avec ces deux cartes associées en plus sur, oui, il y a quelque chose qui se termine, peut-être pour certains, peut-être qu'il y a un deuil à faire aussi, il y a une énergie à libérer, hein, encore une fois, une énergie à libérer, et d'où la charge qu'il y avait ici, hein, qui est lourde pour pouvoir avancer, vous, sur votre chemin. Il y a besoin de se délester, je vous ai dit, de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. En tout cas, enfin, a priori, d'un stress et d'une trop grosse charge de responsabilité, avant tout. Et donc là, vers quoi vous vous dirigez? Eh bien, on passe du 10 de bâton au 10 de coupe. Là, regardez, c'est pas du tout la même atmosphère. On est vraiment sur la détente. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça rayonne, il y a les enfants, c'est jovial, il y a la plage, c'est la détente, c'est la paix, il y a le soleil, c'est la clarté.
Et toutes les coupes ici, là, qui sont juste remplies, on est dans la complétude. Voilà ce vers quoi vous allez. Complétude, et ce mot va bien avec bah, justement completion, je suis en train de m'en rendre compte. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut l'entendre. Ici, c'est pas négatif, faut pas se fier à l'image de la carte. D'ailleurs, si on regarde bien ici, en fait, enfin voilà, tout est une question de comment on voit les choses, mais. La récompense pour vous, ben, c'est une plénitude et une plénitude que l'on partage ici. On la partage en famille notamment. Donc ça peut être le 10 de coupe représente par exemple une famille heureuse ou une plénitude, un accomplissement personnel, émotionnel que l'on ressent et que l'on est vraiment enclin à partager, que l'on veut partager avec les autres. Hein? C'est pas de l'égoïsme ici. Donc, on est encore une fois avec les 10 ici, avec la carte de l'achèvement, avec la carte du jugement d'ailleurs, qui est 10 fois 2. Donc, dans une dizaine, c'est vraiment les nouveaux cycles, les changements de cycles. Donc, le temps est très important pour vous. Et vous voyez, je vous disais, ça arrive plus vite que prévu, peut-être, pour vous. Regardez aussi. Ce que vous avez choisi quand même, le sablier, le temps. Hein? Comment c'est revenu dans ce tirage, c'est assez incroyable. Donc la notion de temps, ben voilà, écoutez, vous voyez, on peut le voir comme ça, mais on peut le voir comme ça aussi. Bon, je ne sais pas quoi vous dire. De toute façon, le but c'est pas que j'interprète cette carte, mais je trouve que peut-être qu'il faut juste que vous puissiez lâcher une certaine impatience, une certaine attente. Qui est trop présente et qui vous bouffe trop aussi dans votre énergie. Voilà. Mais sachez que, y a vraiment de très belles choses qui arrivent, c'est très clair pour vous. Et voilà, vous allez, bah, je pense, toucher votre rêve en fait. Hein? Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker si vous avez aimé. Et puis, bah, je vous retrouve pour plein de nouvelles vidéos comme ça. Voilà, dès que j'en ressentirai l'envie, je trouve que c'est sympa. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie vraiment. Et bah, j'espère que vous aussi. Voilà, les amis. Donc, je vais passer au tas numéro 2. Alors, je vous retrouve pour vous qui avez choisi l'image avec le petit ours triste. L'image et le choix numéro 2. Alors, on va vraiment découvrir les messages pour vous dans la continuité quand même de ces énergies, hein, puisque c'est ce qui nous guide. Donc, on va déjà voir un petit peu ce que vous traversez actuellement, hein, ou à quoi on fait référence au jour d'aujourd'hui pour vous. Alors, le 7 de bâton, très belle carte, j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Et création. D'accord. Alors, l'énergie principale que je capte avec ce 7 de bâton, c'est la protection. Aujourd'hui, a priori, vous vous sentez peut-être attaqué. Ou, alors, attaqué, bien sûr, on est, enfin, c'est pas forcément des attaques physiques. Ça peut être voilà, toutes sortes d'énergie, j'ai envie de dire, qui vous titille ou qui vous perturbe. Ça peut être des pensées négatives que certaines personnes ont dans l'environnement. On est quand même sur des choses qui viennent de l'extérieur. Hein. On le voit sur cette carte d'ailleurs, les bâtons qui viennent de l'extérieur. Et peut-être que vous sentez ce besoin pour vous de vous protéger ou voilà, il y a un besoin de mettre une certaine distance, de mettre une bulle. On la voit ici. Donc peut-être que c'est déjà un conseil aussi pour vous hein, de vous retrouver dans votre bulle. De vous concentrer peut-être en méditation, hein, vous connecter sur ce point précis, visualiser une lumière à l'intérieur de vous ou sur ce chakra. Je pense que c'est le chakra du plexus solaire. Écoutez, je pense que c'est le chakra du plexus solaire. Et d'ailleurs, ça vient parler de la confiance. Ouais, j'entends ce mot-là. Donc, en fait, ici, quelque part, on vous dit de vous affirmer, hein, d'avoir confiance en vous, véritablement, en vos valeurs. En ce que voilà, vous avez quelque chose à défendre, clairement. Hein. Donc je ne sais pas ce que ça représente pour vous. Pour moi, c'est surtout d'abord question de faire preuve d'intégrité envers vous-même. Voilà. Là, vous êtes vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines situations. Vous êtes challengé. C'est vrai qu'il y a un challenge pour vous.
Et c'est comme un test aussi pour moi, j'ai l'impression, que l'univers vous envoie pour voir peut-être justement si vous arrivez vraiment à vous reconnecter à vous-même, que vous arrivez à vous adapter peut-être aux situations qui vous sont présentées. Parce que là, on voit cette personne qui est vraiment isolée dans sa bulle, totalement protégée et sereine. Donc, je ne sais pas ce qui vous... Voilà, par quoi vous vous sentez assailli. On est sur l'énergie des bâtons, donc justement c'est le feu, donc c'est plutôt une énergie. Par exemple, on aurait été sur les épées, je vous aurais dit peut-être c'est par rapport à des pensées négatives qui viennent de l'extérieur ou vous-même, hein, des pensées, des petites voix comme ça qui vous rabâchent des, voilà, certaines choses. Mais bon, a priori, c'est pas comme ça que je le ressens, puisqu'on est sur les bâtons, donc non, ouais, c'est plus de en termes d'énergie. On a la carte de la création, donc peut-être que justement, vous voyez, vous avez un projet ou des choses que vous voulez manifester, vous faites face peut-être à de la compétition, il y a une certaine combativité aussi, ou alors on vous demande d'argumenter votre point de vue, défendre votre position. C'est aussi ça que j'entends pour vous. Mais donc c'est lié à la création, donc peut-être parce qu'il y a un nouveau projet pour vous, comme je vous ai dit, une nouvelle relation, donc ça peut être dans le sentimental aussi. Mais là je vois quand même, vous voyez cette boule là qui est un peu au centre de la carte et qui brille, et là je retrouve la même chose, donc il y a quand même beaucoup de synchronicité, c'est fou, je suis toujours étonné avec les tarots et oracles, toutes ces cartes qui se parlent et qui se correspondent. Alors que ce sont des jeux différents. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette lumière? Ouais, pour moi, c'est ayez foi en vous, en fait. Ayez foi en vous, en votre pouvoir intérieur. On est sur la création et on est sur le chiffre 7, chiffre du pouvoir. Du sacré aussi. Mais c'est pour ça qu'on a la lumière intérieure ici. Hein? On parle de vraiment un pouvoir sacré pour vous. Donc, ayez foi en vous. Sachez faire respecter aussi les distances, hein, avec les... notamment, vous savez, si vous travaillez par exemple dans l'énergétique ou dans le soin, pas forcément holistique, hein, ou dans l'ésotérisme, ça peut être voilà, même à l'hôpital ou tout ça, mais en fait, voilà, il faut que vous puissiez aussi, ben, des fois vous retrouver dans votre bulle pour couper avec les énergies. C'est ça, ok, d'accord, merci. Merci les guides, c'est ça. Donc il faut vraiment pouvoir couper avec certaines énergies de l'extérieur. Parce que dans votre environnement, ben, ça vous sollicite beaucoup. Hein. Que ce soit en... Enfin, c'est pas forcément qu'il y a des mauvaises intentions, bien sûr. Hein. C'est juste que, voilà, il faut pouvoir créer un sanctuaire aussi pour vous, pour vous retrouver dans votre espace de création aussi. Ok. Alors, quel est le conseil des guides ou le message tout simplement pour vous? On a l'as d'épée et le pardon. Le conseil pour vous. Donc clairement ici, et on le voit bien là avec cette as d'épée, c'est d'écouter votre intuition. Hein, on est là, j'ai l'impression de voir aussi un coquillage, c'est un escalier, mais en fait, tout de suite ça m'a marqué comme un coquillage. Donc c'est être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur pour avoir la clarté. Là, il y a une percée de la lumière, vous voyez, il y a une idée claire qui descend. C'est ce que je ressens, c'est que si vous vous mettez plus à l'écoute de votre enfant intérieur, que l'on retrouve ici, hein, plus à l'écoute de votre enfant intérieur, vous allez pouvoir capter des signes. On a une symbolique ici de tout ce qui est, comment dire, prémonitoire même, avec le corbeau, je dirais. Et ici, vous voyez, on a plein d'autres signes, en fait. On a plein d'autres petits signes. Donc je pense que vous pouvez déjà capter des signes. Hein. Vous êtes bien connecté avec ces cartes. On pouvait le ressentir déjà, d'où ce pouvoir personnel. Peut-être comment on dit, pardon, de clairvoyance, voilà, ou clairaudience aussi, remarque. Dans tous les cas, voilà, retrouvez-vous. Là encore, on a quelqu'un qui a les yeux fermés, qui a donc le regard tourné vers l'intérieur, hein, vers cette lumière, pour canaliser la lumière ici. Là aussi, on canalise la lumière, vous voyez. Donc il est bien question de ça. Et puis regardez, le fait de canaliser la lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça chasse les ombres.
ça chasse les ondes, ça chasse les pensées négatives, et puis ça chasse tout simplement les forces et énergies négatives à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la magie noire sur vous, hein. Voilà, c'est les forces négatives extérieures dont il faut vous protéger. Et là, vous voyez, en vous reconnectant à votre enfer intérieur, on vous dit que c'est là que vous obtenez la protection. Regardez, il y a à la fois de la douceur, de la tendresse, mais à la fois une grande force ici. Hein. Cet enfant est totalement protégé, donc vous avez besoin de sécuriser votre enfant intérieur actuellement. C'est peut-être lui qui demande cette protection. Vous accordez de l'importance, c'est ce que j'entends, vous accordez de l'importance et du réconfort à vous-même. Et clairement, vous allez recevoir, et vous recevez déjà en fait, plein de messages, plein de synchronicités, plein de signes, au travers de vos pensées, au travers de votre intuition. Une pensée, une idée aussi, voilà. L'idée qui se manifeste, eh bien, c'est une idée qui vous est envoyée, hein, si elle vient spontanément. Ok. Alors, on va découvrir maintenant qu'est-ce qui vous attend en fait, puisqu'il y avait le message de persévérance. Donc, l'idée, c'est de savoir, par rapport à tout ce que vous êtes en train de traverser actuellement, on vous dit persévérance, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à la clé pour vous? Quelles sont les récompenses? On a le page de coupe et isolation. Ok. Alors, le page de coupe, c'est intéressant, puisqu'ici, on voit que vous allez dans l'avenir, avec les pages, en fait, c'est les vallées, voilà, les vallées de coupe, si vous voulez, on est toujours sur la notion de s'engager sur un nouveau chemin, découvrir, c'est la découverte aussi, comme un enfant, d'ailleurs, voyez. Donc, je pense que vous allez bien vous reconnecter je pense que vous allez bien vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein? Ici, on est très connecté à l'intuition avec le valet de coupe. Hein? Donc, y a une reconnexion aussi pour vous forte. Hein? On le voit d'ailleurs ici, là. Non, je vous le dis. Là, je suis en train de voir. Reconnexion forte pour vous, en fait. Avec vos intuitions, avec vos ressentis, avec vos rêves, avec ce qui vibre, regardez. Avec ce qui vibre là. Hein? On est vraiment au niveau du chakra du cœur ici. Ce qui vibre dans votre cœur, ce qui vous émeut, ce qui vous motive, ce qui vous passionne. Ouais, clairement. Pour certains, peut-être il est ici question d'une relation amoureuse. Hein, avec le valet de coupe, ça peut représenter ça. Il est vrai que j'ai pas eu trop des énergies concernant le sentimental, mais... Bon, voilà, c'est un tirage général, donc je donne les messages aussi qui sont liés aux cartes, donc ça peut représenter ça. Peut-être que d'ailleurs vous allez devoir vous préparer, vous habiller, parce que voilà, hein, y a une sortie, y a un événement à fêter, ou tout simplement ouvrez-vous aux autres, en fait, il y a une ouverture pour vous vis-à-vis des autres, pour rencontrer, pour plaire, pour séduire, pour jouer aussi, quelque part le jeu de la séduction, voilà, il n'y a pas de mal à ça. Donc avec le valet de coupe, on est quand même sur la voie du cœur, c'est-à-dire que vous êtes vraiment à l'écoute, à votre écoute, à l'écoute et conscient, hein, donc c'est vraiment de la bonne écoute vis-à-vis de vous-même. Vous écoutez et vous appliquez, c'est ce que j'entends. Et là, je vais vraiment me fier au ressenti, je retrouve encore beaucoup de bleu ici, en fait, c'est que vous allez trouver ce qui vous correspond, ce qui vous... Ben, j'ai le mot en anglais, en fait, ce qui vous suit, comment traduire ça, ce qui vous va, voilà, ce qui vous va comme un gant, si vous voulez. C'est ça, vous allez trouver quelque part votre place, ce dans quoi vous voulez vous investir, ce peut-être que vous voulez créer grâce à cette idée. Voilà. En tout cas, on est sur une énergie positive, une énergie de joie, une énergie de bonheur, une énergie de bonne connexion aussi, hein, avec soi-même. Donc peut-être qu'il s'agit de ça pour vous, guérison par rapport à votre enfant intérieur. Et quand même, vous avez choisi cette carte, donc il n'y a pas de hasard. Donc je précise que j'ai tiré d'abord toutes ces cartes, après j'ai tiré le Dixit, et voilà, quand je vois
Enfin, j'ai eu l'idée de tirer ça juste pour donner une indication pour les gens qui regarderont la vidéo. Et quand je vois qu'il n'y a pas de hasard, quoi, comment ça parle ici, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose dans l'enfance ici. Là, moi, j'y vois la guérison. Peut-être c'est le symbole des stéthoscopes, enfin, pour les docteurs, là. Et voilà, on a ici le petit nounours triste et qui partage cette tristesse avec l'enfant, en fait. Donc, quand le nounours est triste, l'enfant est triste. Et là, ils ne se parlent pas, ils sont. Vous voyez, dos à dos, donc est-ce qu'ils se font la tête, est-ce qu'ils se boudent, pourquoi? Pourquoi en fait? Voilà. Donc bon, le but c'était pas d'interpréter cette carte, hein, donc, sinon je pourrais y passer du temps. Mais voilà, de vous donner un petit message qui peut déjà vous donner un petit coup de boost, vous aider à y voir plus clair. Donc j'espère vraiment que c'est le cas. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur cette vidéo, liker si vous avez aimé. Voilà. Merci pour tout, merci à vous, je vous dis. À bientôt et je vais passer à la suite au tas numéro 3. Alors, mes amis, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec cette image assez intrigante, en effet, je suis aussi perplexe que ce soleil. Bon, alors, on va découvrir les messages pour vous personnels qui vous sont adressés. Donc, d'abord, un petit état des lieux de ce que vous traversez, des énergies actuelles pour vous en ce moment. Alors, on est sur le chevalier d'épée et instinct. D'accord, c'est intéressant. Alors, avec le chevalier d'épée, on parle donc soit d'une personne, donc en l'occurrence, si c'est une personne, ça va vous représenter vous, ça peut être une situation. Dans tous les cas, les caractéristiques du chevalier d'épée, c'est la rapidité. Hein. On le voit ici, déjà, il est en action, il est en mouvement. Donc, les choses avancent. Peut-être que vous êtes guidé aussi. On le voit avec ce symbole ici, là, qui vous montre la direction. Donc, vous êtes bien connecté aux signes que vous recevez, à votre partie instinctive, votre partie animale. Je pense que c'est un loup et le loup, bon, comme vous aurez vu mon logo, ça me parle énormément. Qui est, oui, bien pour moi, synonyme d'instinct, enfin, de plein de choses aussi en même temps. Mais en tout cas, ici, c'est ce qu'on retrouve. Et l'instinct, pour moi, c'est synonyme de la spontanéité. On pourrait dire impulsivité aussi, mais je préfère ce mot de spontanéité. Donc, pour vous, il y a quelque chose qui démarre là. On est sur quelque chose qui se lance. On est peut-être sur une énergie rapide. Les choses sont peut-être en train de s'accélérer pour vous. Si c'est pas le cas, et je ne sais pas à quoi ça fait référence, hein, si c'est sentimental, professionnel, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on est dans des actions qui sont mises en place, pour moi. Hein? Il y a une quête aussi. Vous partez à l'assaut de quelque chose. Voilà, c'est pour ça que j'entends le mot quête. L'envie de convaincre, l'envie d'aller au front, en fait, puisqu'on est quand même sur un chevalier, mais ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est pour aller. Ouais, il y a. Comme s'il y avait un Graal, et puis vous êtes un chevalier, et voilà, vous allez à la recherche de ce trésor, à la recherche de ce Graal. Vous êtes guidé instinctivement aussi. Il y a vraiment cette notion pour vous. Puissamment guidé. Donc il faut vraiment que vous fassiez confiance à vos intuitions, et je ressens que vous avez des informations qui peuvent vous parvenir, peu importe la manière, que ce soit corporelle, que ce soit au niveau de vos pensées, que ce soit au niveau des signes à l'extérieur ou des synchronicités. Moi, j'ai les notions de flash. Vous recevez des choses quick, c'est quick, rapide. Voilà, c'est furtif, rapide, mais en même temps, vous pouvez pas passer à côté, quoi, voilà, de tous ces signes et de tout ça. Ouais, moi, je pense vraiment que vous êtes guidé là. Hein. Et puis, ça va avancer encore plus vite. Hein. Déjà, il courait. Mais en plus, là, il y a une moto, quoi. Donc, waouh, ça va être un bond en avant pour vous. Enfin, c'est la dynamique dans laquelle vous êtes, après tout. On va voir après où est-ce que ça vous mène. Donc, justement, quel est le conseil des guides? Le conseil ou le message des guides pour vous qui avez choisi le tas numéro 3? Alors, le valet d'épée. Donc, on retrouve des épées et impasse. C'est intéressant. Alors, peut-être que jusqu'alors, je ne sais pas pourquoi on a cette carte d'impasse qui arrive comme ça. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça tranche avec les énergies. Donc peut-être que vous étiez un peu perdu aussi, que justement vous aviez besoin de signes, d'une orientation.
Peut-être qu'il y avait une décision à prendre pour vous qui était difficile parce que vous étiez dans le flou. Mais j'ai l'impression que ça, en fait, c'est véritablement en train de changer. Enfin, si vous le vivez pas et vous l'expérimentez pas dans le concret, expérimentez pas, pardon, dans le concret, c'est que ça arrive prochainement pour vous, vraiment. Donc justement, vous allez pouvoir peut-être sortir d'une impasse, d'un certain flou. Aussi, on a la lune ici. On avait quand même la lune qui revient avec la carte de l'instinct. Et voilà, des fois, en effet, ça peut être un certain brouillard, un certain flou. Cette énergie de la lune. Mais l'avantage, c'est que vous retrouvez le valet d'épée. Alors le valet d'épée, là aussi, c'est découvrir. Découvrir une idée, apprendre quelque chose. Se lancer dans une formation, étudier, hein? Trouver une nouvelle idée. Donc on le voit bien ici clairement, on retrouve ici des oiseaux, donc avec aussi le symbole de la connaissance et le livre. Donc je pense que vous avez une connaissance en vous qui peut vous permettre de vous guider sur le bon chemin. Vous n'avez pas besoin de regarder forcément le chemin, vous avez juste à vous laisser guider parce que vous savez déjà. Le page d'épée peut nous dire ici que si vous sentez dans une impasse et que même en vous connectant à votre intuition, vous n'y arrivez pas, eh bien peut-être qu'il est temps de vous renseigner sur un sujet en particulier. Parce que les pages d'épée, c'est vraiment la volonté de s'enrichir, d'apprendre de nouvelles choses et d'être passionné dans ça. Hein? Donc c'est peut-être cette énergie-là dont vous avez besoin, approfondir certains sujets. Hein? Si vous manquez, si vous êtes dans une impasse parce que peut-être il vous manque des solutions au jour d'aujourd'hui, sachez qu'avec voilà, avec Internet, avec tout ça, on a accès à plein d'informations. Voilà, vous avez accès à plein d'informations, que ce soit, enfin voilà, on les voit ici les informations, les idées, et ici aussi avec les oiseaux. Donc il y a tout un tas de choses à disponibilité. Alors, on va voir maintenant, tout simplement. Qu'est-ce qui vous attend? Quelle est la récompense qui arrive pour vous, puisque vous aviez, comme nous tous, le message de persévérance, donc par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la clé? Le 2 de bâton et abondance. J'aime ça. Bon, bah, très simple, on va commencer plutôt par abondance parce que ça va être très clair. Bon, pour le coup, abondance, ça vous parle. Donc, abondance, peut-être en effet dans le côté matériel, on insiste sur le matériel dans cette partie, mais pas que, ça peut être une abondance et une richesse spirituelle aussi par rapport justement à cette connaissance nouvelle, à ces messages que vous recevez, cette connexion de plus en plus grande, c'est possible. En tout cas, de l'abondance. Donc, ça va pouvoir éventuellement justement combler un certain sentiment d'insécurité qu'il a pu y avoir auparavant. Et moi, j'entends un facteur chance, hein, très clairement pour vous. Donc, bah, je ne vais pas vous le traduire de 10 000 manières. On est sur une énergie d'abondance. Vers quoi vous allez? Quelle est la récompense? Bah, l'abondance, en fonction de ce que vous vivez. Donc voyez comment ça s'applique, ce mot d'abondance. Donc je vais m'intéresser par contre aux deux de bâton. Donc le 2 de bâton, pour moi, vous avez fait un choix. Il y avait cette notion de choix qui revenait un petit peu que j'ai senti avant. Donc pour certains, c'est ça. Vous avez fait un choix, vous savez maintenant concrètement, clairement où vous voulez aller, ce que vous voulez aussi, peut-être, ou alors même le comment. Voilà. Pour moi, votre plan de bataille est prêt. Ouais, voilà. Vous pouvez vous projeter par rapport à l'avenir. Ouais, c'est ça. Voilà, vous avez fait un choix, quoi. Vous avez fait un choix de par une réflexion longue et mûrement réfléchie. Vous avez pu rassembler toutes les informations nécessaires dans l'avenir, tout ce qui vous manquait aussi peut-être. Là, ça y est. Voilà, tous les éléments sont en place et maintenant, vous pouvez évaluer et projeter ce que vous voulez quelque part accomplir dans le monde. Hein? Trouver votre place aussi, les questions de ça. Et bah alors, pour revenir juste sur cette carte, c'est intéressant parce que là, surtout la phrase qui me vient, c'est le soleil a toujours été là. Le soleil est toujours là, même quand on ne le voit pas. Ou même quand on ne veut pas le voir.
Donc, on avait quand même des cartes, c'est vrai, ici, assez, enfin, peu lumineuses, en tout cas, de ce que je constate. Et là, on voit ça. Alors que, en fait, ok, je comprends le message qu'on voulait vous donner, en fait, avec cette carte, c'est que les réponses, la lumière, la clarté, ils sont là. Mais peut-être que, eh bien, inconsciemment, et forcément inconsciemment, parce que vous voyez là, ce comportement, il est inconscient de mettre, voilà, un parapluie alors qu'il n'y a pas de, il y a pas de pluie justement, il y a un très beau soleil. Donc, ça veut nous dire que inconsciemment, il y avait peut-être des protections, des barrières, des défenses qui vous empêchent de capter clairement les messages. Mais, bah, la bonne nouvelle, c'est que justement, ces messages, ils vont arriver en abondance aussi. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura fait écho aussi avec, avec la carte collective, donc au niveau de la guérison, la transformation qui est en train de s'opérer en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker si vous avez aimé. Et puis, bah, quant à moi, je vous retrouve pour des nouvelles vidéos surprises bientôt. Ciao les amis, bisous. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 4, donc avec cette image. Alors, on va se laisser porter et accueillir tous ces messages ensemble, vraiment tranquillement. Donc d'abord, un petit état des lieux, j'ai demandé pour savoir qu'est-ce que vous vivez actuellement, peut-être sur quelles énergies on veut insister et vous parler. Alors, vous avez The Lovers, donc l'arcane majeur numéro 6, et Gratitude. Ok, bon, alors là, écoutez, déjà c'est assez clair, parce que les Lovers, c'est vraiment bah, l'amour, en fait, c'est les amoureux, mais c'est l'amour pour moi. Et ici, on retrouve, enfin voilà, on ne peut pas faire plus synchrone avec cette carte qui est liée à l'amour, au partage aussi, tout comme on voit deux personnages ici, on voit deux personnages là. Donc il est question de ça. Alors je précise tout de suite que je ne vais pas cibler en fait en disant oui, ici, ça veut vous parler de sentimental. Pour beaucoup, oui, je dois le reconnaître, ça va nous parler du sentimental, de l'amour, ou de notre relation avec l'amour, ou de notre relation avec nous-mêmes, notre amour propre en fait. Voilà. Donc soit c'est symbolique pour moi avec quelqu'un d'autre, soit c'est personnel. Et c'est en fait les deux aussi, souvent. Ok. Donc ceci étant dit, bah, tout simplement, qu'est-ce que vous traversez actuellement? Pour moi, une véritable connexion. Connexion avec une personne, ou alors reconnexion avec vous-même. Phase de reconnexion et de guérison bah, avec l'être que vous êtes. Hein. Ici, il est question vraiment de partage, de bienveillance, d'être dans ces énergies-là. Donc, bah, écoutez, peut-être que oui, vous venez de faire une rencontre, ou peut-être que vous avez un choix amoureux à faire avec la carte des amoureux. Souvent, en symbolique, on dit que ça représente le choix. Bon, peut-être. Ici, c'est juste la pure énergie d'amour, en fait, que je ressens. Donc, soit concrète dans l'expression d'une relation, ou alors intérieurement, en fait, quelque chose que vous vivez avec vous-même, là, de puissant. C'est des énergies vraiment puissantes. Ok, donc est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à ce que vous vivez? Non, pour moi, vous êtes tout simplement ouais, en train de vous réaligner aussi, quelque part. Même si c'est à travers d'une personne, eh bien, ça vous fait travailler sur vous, ça amène des guérisons, justement. Peut-être bah, en lien avec l'amour aussi, ou avec le partage avec les autres, avec l'autre, avec le regard de l'autre sur nous. Voilà, il est possible qu'en effet, ça vous fasse remuer des choses à ce niveau-là. Mais c'est positif, hein. Pour moi, écoutez, c'est a priori, c'est vraiment positif. Ok. Alors, on va voir justement un petit conseil peut-être par rapport à ce que vous vivez des guides. Conseil ou message, tout simplement, pour vous. Alors, le chevalier de bâton et recovery, donc traduit par récupération. bon, bah là, je vais vous le traduire d'une manière assez simple. Récupérer, donc la clé qui est en vous, hein, la clé, elle est en vous. De la passion, en fait, le feu ici. C'est-à-dire
raviver en vous, laisser aller s'exprimer ce feu intérieur, cette passion, cette envie de profiter de la vie. Vous voyez, là, on a une personne qui est en train de faire du tambour. Il y a une énergie d'effervescence. C'est ce que je ressens, même avec cette carte aussi, et avec celle-ci d'ailleurs. Ouais, toutes. L'effervescence des sentiments, des émotions, d'une pulsion aussi, ou d'un désir peut-être que vous avez actuellement. Ou, voilà. Il est bien question de ça. Hein. Et quelque part, on vous dit, bah, le conseil, allez-y, foncez, donnez tout ce que vous avez par rapport à cette relation ou par rapport à. Enfin. Oui, je peux pas vous le dire. Je ne sais pas exactement en fait. Vous voyez, c'est quand même une énergie que je capte et je ne sais pas vous personnellement, mais en fait, on vous dit, allez-y à fond. Le cavalier, déjà, c'est l'action et encore plus le cavalier de bâton, c'est la fougue. Hein. On y va à bride. Voilà, à bride abattue. C'est la passion, c'est raviver la passion, la fougue. On s'engage à fond en fait avec le cavalier de bâton, sans réfléchir, on se pose pas de questions, on laisse aller la pulsion de vie. Donc c'est ce que je ressens hein, pour vous. Donc le message il est clair, hein, tout simplement. Vous l'avez déjà en vous, ce feu intérieur en fait. Ce feu intérieur, ce feu sacré qui est symbolique de l'énergie pure qui anime les choses. Hein, le feu de la création peut-être on pourrait dire. Voilà. C'est comme ça que je l'entends. Donc laissez aller. Vos envies, votre passion, ne vous posez pas de questions en disant ah, mais tiens, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est le bon moment? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Voilà, blablabla, toutes ces questions-là. Non, non, voilà. Là, c'est on fonce, on s'engage dans quelque chose dans laquelle on a envie de s'engager, ça nous plaît, c'est vraiment ça. C'est la passion, donc ça vous plaît. C'est même pas ça vous demande de l'énergie, vous avez plaisir à vous investir dans une relation, un job ou un projet quelconque. Vous le faites avec amour en fait. Hein? Donc si vraiment vous hésitez ou vous avez un choix, tout simplement écoutez-vous, écoutez ce que vous dit votre cœur, parce que vous avez la clé. Voilà, vous avez la clé. Alors justement, quelle est, si vous persévérez, pour faire le lien avec le message global, quelle est la récompense pour vous? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Le 9 de denier. Et rejection. Ok, alors, avec le 9 de denier, on est sur une énergie qui nous parle de richesse, de sentiment de confort, déjà dans la matière, puisqu'on est sur les deniers. Donc, vous allez vers oui, une certaine abondance dans la matière, par exemple au niveau financier, c'est possible. En tout cas, vous aurez le sentiment d'être comblé concrètement dans la matière. Avec le 9 de denier, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi c'est une personne qui est bien seule. Ça ne veut pas dire qu'il y a, voilà, vous allez vous séparer ou quoi que ce soit. Non, ça veut dire que justement, cette personne-là, maintenant, elle est totalement épanouie. Elle est totalement épanouie avec elle-même. Elle a besoin quelque part de personne d'autre. Elle n'a rien besoin d'autre dans le concret, dans la matière qu'on lui apporte. Bien sûr, elle peut partager au niveau des émotions, des sentiments, parce que déjà aussi son sentiment d'insécurité peut-être est comblé. Donc là, vous profitez en fait. Il y a un élan ou peut-être une inspiration et vous profitez de la vie pleinement aussi. Et là, on a la carte rejet. Donc, pour certains ici, justement, c'est que vous allez, donc, juste pour une partie d'entre vous, hein, en fait, retrouver une certaine inspiration. Peut-être qu'il y avait une perte de connexion, une perte de motivation pour vous, un élan qui n'était pas là. Et là, en fait, vous allez le recovery, donc le retrouver. Retrouver cette inspiration, cette envie de créer, ce qui vous correspond aussi, ce qui vous anime, justement. Pour d'autres, il y a cette notion de ne plus poser de questions et de plus laisser la place au doute dans votre esprit. Vous voyez? Plus laisser la place au doute, aux petites pensées perturbantes,
brumeuse aussi, hein. Donc là, on est vraiment sur une notion de clarté aussi. Ok. Et donc, avec cette petite carte que vous aviez eue, bah, tout simplement, on voit une personne qui se retrouve sur sa lumière intérieure. On a une carte quand même très sombre, mais pourtant, elle garde sa lumière intérieure et elle est protégée dans la lumière. Hein. C'est une ampoule, donc, vous voyez, il y a la lumière intérieure et elle est protégée dans la lumière. Donc, bien sûr, tout ça, c'est très symbolique. Peut-être qu'on vous dit de... Enfin, un conseil, éventuellement, de faire un rituel avec une bougie pour mettre une intention. Ici, poser une intention, une idée. Là, c'est cette symbolique qui me vient avec l'ampoule. Une idée, un souhait à l'univers. Vous voyez, on a le personnage ici, là, encapuchonné, violet. Donc, il y a un côté magique pour moi, je ne sais pas. Je ressens ça. Donc, peut-être que ça peut vous aider pour attirer la loi d'attraction pour vous. La loi d'attraction, c'est ce que je ressens. Et pour certains, en effet, il y a le besoin de vous mettre dans une bulle protectrice. Donc, peut-être que vous pouvez visualiser avec vos pensées, justement, une bulle protectrice de lumière ou un cocon pour pouvoir vous protéger de l'extérieur ou alors des pensées négatives par exemple. Ou alors une petite labradorite comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, ce fut relativement court. Enfin, quoique moi, ça fait un petit temps que je fais, hein, parce qu'il y a beaucoup de tas. Et bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. C'est un plaisir quand même pour moi de vous partager ces messages, de partager ce moment avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, re les amis, pour vous qui avez choisi l'image numéro 5, celle-ci, qui est une image complexe, hein, en tout cas riche, riche en beaucoup beaucoup de symbolique. Bon, on va essayer de décortiquer tout ça ensemble, même si normalement je l'interprète pas, puisque c'était surtout pour vous. Mais bon, je me suis aperçu avec les autres tas qu'en fait, je vous ai mis ça pour choisir, mais en fait, il y a forcément un lien qui se crée avec les messages. Bon, on va voir ce que c'est pour vous. Alors, déjà, petit état des lieux, mes amis, de ce que vous traversez actuellement ou des messages qu'on a tout de suite là par rapport aux énergies actuelles. La reine de coupe, très belle carte, et croissance. D'accord, bon bah déjà on est sur une énergie pour vous, donc de croissance, d'expansion, de choses qui sont en train de germer, qui sont en développement, hein, c'est ce que j'entends. J'aime bien voir cette reine de coupe ici au présent, parce que ça veut dire que vous êtes en train de, eh ben oui, quelque part de faire une guérison émotionnelle pour vous, c'est ce que j'entends, une guérison. Vous êtes pleinement en train de vous reconnecter à vos ressentis, à vos émotions, vous voyez, elle est pleinement baignée dans l'eau, hein, carrément. Les yeux fermés, donc on la sent réceptive aussi. Vous êtes dans la réceptivité de ce que vous ressentez. Hein. Vous êtes en train d'essayer d'apprendre à comprendre, à maîtriser, à canaliser tout ce que vous ressentez, que ce soit des émotions ou que ce soit des perceptions plus subtiles aussi. Hein. La reine de coupe est très connectée à l'intuition. Donc il y a un développement pour vous à ce niveau-là, une expansion. Je ressens avec la croissance et la reine de coupe deux énergies très féminines. Donc, c'est une énergie qui est particulièrement présente pour vous. Ça peut être une personne extérieure, mais dans tous les cas, ça vous représente aussi, même si vous êtes un homme. Donc, l'énergie masculine, pardon, l'énergie féminine, c'est quoi? C'est justement l'écoute, la réceptivité, la bienveillance aussi, le partage. Voilà, on est quand même sur une vibration. Chaleureuse et vraiment très connectée aux perceptions, aux ressentis corporels aussi, très sensible dans la sensibilité. Je vous sens très très sensible en ce moment. Peut-être à fleur de peau, mais pas dans le mauvais sens, voilà, pas prêt à jaillir à quoi que ce soit, mais à fleur de peau parce que oui, émotionnellement, un rien peut vous toucher, quoi. Donc, il y a une reconnexion et à la fois une guérison émotionnelle qui est en train de se passer hein, pour vous, là, à ce niveau-là. C'est bien ce que je ressens. Mais vous êtes beaucoup plus dans l'écoute et dans la compréhension. C'est-à-dire que, bon, envers vous-même, mais aussi envers les autres. Beaucoup plus d'ouverture par rapport à ce que les autres peuvent vivre, ce que les autres peuvent ressentir. Vous êtes réceptif ou réceptive aussi à ça. Hein.
Donc, ouais, on pourrait dire un élan de votre sensibilité. Alors, quel est le conseil aujourd'hui pour vous de vos guides, ou le message tout simplement qu'ils ont à vous transmettre? L'as de bâton et façade, alors je sais pas, c'est en anglais normalement, donc bon, façade, ça se dit pareil, a priori. Alors là, j'ai un message assez clair. On voit encore une fois cette personne qui a les yeux fermés, qui se connecte sur son troisième œil, et pourtant on est sur l'énergie des bâtons ici. Mais bah écoutez, voilà, pour vous, clairement, les canaux, ils sont ouverts, ou ils ont moyen de s'ouvrir. Vous pouvez recevoir beaucoup, beaucoup de messages, en fait, en intuitif, en médiumnité, en clairvoyance, en clairsentience aussi. Enfin voilà, c'est pas des dons tout ça, c'est des capacités. Et moi, je peux vous sentir que vous avez cette capacité-là, que vous pourriez développer par exemple si vous ne l'avez pas fait. C'est pas une obligation, on n'est pas obligé de le faire, même si vous avez la capacité en vous. Voilà, c'est un choix. Mais l'as de bâton, alors le conseil de l'as de bâton, eh bien, c'est tout simplement de. L'as de bâton, c'est l'étincelle qui donne la vie et qui donne envie aussi. Donc, quelque part, vous connectez à vous, à vos ressentis, pour savoir dans quoi vous voudriez vous investir. Quel est le projet que vous voulez mettre en place? Parce que là, je ressens, avec la carte aussi à côté, que il y a un rêve, en fait. Un rêve, peut-être que vous voulez réaliser quelque chose comme ça qui vous appelle, qui vous appelle de l'intérieur, hein. On est vraiment sur cette notion de passer de passer et en même temps de vous lancer dans autre chose, peut-être, dans autre chose. Donc pour certains. Ici, avec l'as de bâton, la façade, bah justement, on vous demande de vous reconnecter à vos rêves et d'avoir confiance en vous, hein, de retrouver cette motivation intérieure qui est comme comment on dit, une évidence, voilà, une évidence en fait. À un moment donné, ça va être une évidence pour vous. Vous allez vous dire, ok, ben voilà, c'est ça que je veux, ou alors c'est vraiment ça que je veux faire, parce que justement, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, et donc ça va émerger au niveau de la conscience chez vous. Ouais, très clairement. Vous allez être accompagné aussi, justement, sur ce chemin, hein, par vos guides. Accompagné, épaulé, amené aussi, c'est-à-dire que ce que vous allez recevoir là au niveau de vos perceptions, au niveau de votre troisième œil notamment, c'est clairement des choses qui vont être envoyées par vos guides. Alors, eh bien écoutez, on va découvrir ici. Quelles sont les récompenses qui sont à venir pour vous par rapport à tout ce travail que vous êtes en train de faire? Pourquoi on vous demande d'être persévérant ici? Quelle est la récompense pour vous? Donc on a le 5 de coupe et la carte Vanity, donc vanité. Alors, ok, on va le faire dans l'ordre. 5 de coupe ici. Alors c'est intéressant parce que moi justement je vois que enfin, vous voyez, on retrouve les coupes, donc enfin vous allez vers cette pleine libération. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, c'est comme si là, vous voyez, cette personne était concentrée sur ce petit bol-là, et là elle décidait de l'enterrer. Cette coupe, elle décide de l'enterrer. C'est-à-dire que là, vous enterrez quelque chose du passé. Vous tournez une page émotionnelle, quelque chose qui vous. Peut-être qui vous rattachait ou qui vous remuait encore émotionnellement, mais qui vous empêchait de grandir jusqu'à maintenant. Hein? Donc, c'est comme si je ressens quelque chose de karmique à votre niveau. Donc, peut-être on parle de cette vie, donc comment dire, un subsidu karmique. Non, c'est pas ça. J'ai un résidu. Voilà. Ouh, waouh. Un résidu. En fait, il y a des résidus de votre passé qui aujourd'hui vous empêchaient vraiment d'avancer. Et peut-être que vous étiez en train de travailler sur tout ça. Hein. On est quand même sur un travail important, intérieur, de croissance, voilà, d'émergence aussi. Et là,
Voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous n'êtes plus dans des regrets ou dans un conflit intérieur ou dans un deuil qui a été difficile, que ce soit symbolique ou réel, ce deuil. Parce que le 5 de coupe, c'est quand même lié au regret et à la perte. Hein? À une certaine tristesse aussi, des choses qui n'ont pas fonctionné. Peut-être que vous avez été trahi dans le passé. C'est ce que je ressens notamment avec cette carte, je ne sais pas pourquoi. On parle de, voilà, de fausses images. Voilà, peut-être que vous avez des personnes qui vous ont dupé en fait, qui vous ont dupé ou qui donnaient une image, un paraître, mais qui n'était pas vraiment comme ça en réalité. Bon, dans tous les cas, il y a eu des regrets, j'ai le sentiment, par rapport peut-être à certaines personnes. C'est comme ça que j'entends. Même si c'est vrai qu'avant, on n'a pas eu de message sur le sentimental. Donc, c'est pas forcément sentimental aussi. Ça peut être une figure importante dans votre vie, ou plusieurs, par qui vous avez été déçu. Par qui vraiment, voilà, il y a eu quelque chose que vous vivez comme une sorte d'échec, en fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui a la clé? C'est que persévérance sur le travail que vous faites. Et il faut le faire, hein, courage, pour aller vraiment se plonger dans ces émotions comme ça. Donc c'est super, vraiment, le travail que vous faites. Et ici, bah, c'est super parce que vous pouvez enfin tourner la page. Enfin, ça y est, on met ces souvenirs. On ne les fait pas disparaître, on les met dans un coin. On décide de les enterrer, c'est symbolique aussi. Donc peut-être que là, il peut y avoir un petit rituel que vous pouvez faire. Par exemple, voilà, les choses dont vous voulez vous débarrasser, eh bien, vous les mettez dans une boîte ou dans un papier, et symboliquement, vous l'enterrez, vous mettez cette intention que, bien maintenant, voilà, vous remettez ça à la Terre, par exemple, à Gaïa, que vous détachez de cette énergie. Hein. Pour moi, c'est un détachement, vous voyez. Donc par rapport à, pour moi, je ne sais pas, à la tromperie, à la duperie ou à la trahison. Voilà les mots que j'entends. Et ben, tout simplement, pour reprendre votre carte, donc ben, écoutez, là déjà on retrouve l'arbre, on retrouve là des racines qui sont un peu en forme de, je ne sais pas, enfin, c'est onduleux, donc ça me fait penser à l'eau, donc aux émotions. Donc on retrouve les coupes. Et ce que j'entends avec ce bûcheron-là qui s'attaque à l'arbre, c'est que, justement, vous êtes en train de donc faire un travail sur vous, persévérance, parce que là, ça vous demande, voilà, de couper avec certaines mémoires du passé. Justement, tout ça, ce sont les mémoires, en fait. Ce sont toutes les mémoires, peut-être même de vie antérieure, ici, et donc du karma résiduel qu'il y a dans cette vie. Voilà, il y a une libération et une guérison, tout simplement, pour vous. Comme on le voyait ici. Ouh, bon, alors, c'est une vidéo assez intense, beaucoup d'énergie. J'espère que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à m'en faire un petit retour. Ben, on se retrouve très vite, encore une fois, pour des vidéos dans l'accueil. Et ben, moi, je vous embrasse très, très fort, les petits loups. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.